vois qu'il y a plein de gens là sur le parvis du temple Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Concrètement, pour être assez précis, c'est un cours hors les murs de l'Université de Haute-Alsace, de la FLSH, c'est les sciences humaines. Donc là, on a un cours d'histoire ancienne. À quoi ça sert de faire un cours hors les murs ? D'une part, c'est de la culture publique, c'est gratuit, tout le monde peut venir. Ça nous permet de parler avec les gens pour leur expliquer pourquoi l'université est en grève depuis 3 mois. En gros, la loi responsabilité... les universités LRU votées en 2007 nous amène vers une privatisation de la fac. À terme, nous amène vers une précarisation du métier d'enseignant. C'est une catastrophe. Autant le dire clairement, c'est pas la peine de faire du chichi ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est contre ce modèle anglo-saxon qu'on nous propose. On est pour des profs bien formés devant des classes avec peu de monde pour qu'il y ait une vraie éducation, etc. On n'est pas pour des facs avec 2000 euros de frais d'inscription ou 5000 euros. On est vraiment pour un enseignement public. Et là, on nous impose la case du service public. Vous avez qu'à voir les hôpitaux, la poste, etc. C'est pareil pour l'université, pour le lycée. Donc nous, on refuse cette politique-là, libérale, néolibérale, comme on veut. Et puis on lutte. Et on a aussi besoin peut-être d'une convergence des luttes. Et c'est, on appelle ça au niveau national depuis quelques mois déjà. Et on continue, on ne va pas lâcher maintenant, même si Sarkozy nous méprise. Il peut nous mépriser, on va lui rendre ce qu'on peut. À Mulhouse, on a une spécificité qu'on est une petite fac avec autour de nous la faculté de Bâle qui est parmi les meilleures du monde, la faculté de Fribourg qui est parmi les meilleures du monde, la faculté de Strasbourg qui est. Probablement futur pôle Shanghai, donc futur meilleur parmi les meilleures facs du monde. Et la question qu'on se pose nous, c'est quelle est la réalité d'avoir une université encore à Mulhouse demain, alors que l'université de Mulhouse c'est une université qui est de proximité, qui s'adresse à des étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller payer un loyer à 500 euros par mois sur Strasbourg. Et nous, on est fiers de notre université, fiers de notre enseignement, et on veut une université qui soit républicaine et démocratique et qui s'adresse à tout le monde. Et le problème de ces réformes, c'est ça, c'est que c'est la case de l'enseignement supérieur, c'est la case de la recherche, et c'est mépriser totalement l'université et le savoir. Donc la LRU elle est déjà effective, l'UEHA par exemple est déjà autonome selon les termes gouvernementaux. Ça, en gros, si je résume, c'est le désengagement de l'État, c'est le remplacement du financement par le privé. Moi je suis étudiant en histoire, est-ce qu'une entreprise privée va trouver un intérêt pour financer l'histoire? Je ne pense pas, d'autant plus que Jean-Marie Bockel veut créer... Il souhaite une université d'Alsace. Quel est l'intérêt dans une université d'Alsace, Strasbourg, Mulhouse, d'avoir deux fois les mêmes formations? Économiquement, ça n'a aucun intérêt. À terme, c'est la disparition de la FLSH. On n'a aucune garantie. Il faut vraiment pas être très malin pour comprendre la logique gouvernementale. C'est clairement ça. C'est des pôles universitaires et des petites universités. On les finance de moins en moins. Les étudiants qui n'ont pas de sous, tant pis, ils restent chez eux, ils n'ont pas d'études. Ça, c'est ce qu'on veut imposer à la France et nous, on refuse. Donc là, vous changez de prof. Ouais, donc c'est l'interclasse. Ça va être l'interclasse, on va dire ça comme ça. Ouais, donc là, on va passer à une conférence en histoire moderne. Et cette conférence, elle va être proposée par Madame Simon, qui est donc... Alors, tu m'as dit que c'était quelqu'un qui venait d'Oxford. Ouais, c'est une chercheuse à l'université d'Oxford. Elle est spécialisée dans l'histoire de la sorcellerie. C'est une des meilleures au monde dans son domaine, voire probablement sur la sorcellerie la meilleure au monde. Et donc, elle est enseignante chez nous à l'Université de Haute-Alsace et elle enseigne en deuxième année d'histoire. Donc là, elle va proposer une conférence sur la thématique d'Elisabeth II, prennent dans le temps. Des années universitaires qui sont à 15 000 dollars, avec des étudiants qui ont des prêts sur 10 ans, qui sont à des prêts à 100 000 dollars pour financer leurs études. Donc c'est ce qui risque d'arriver ici. C'est ce qui risque d'arriver, parce qu'en plus on a eu il y a peu de temps 92 députés UMP qui tentent de faire passer une loi qui permettrait par des prêts d'augmenter les frais d'entrée à l'université. Sachant qu'actuellement, un étudiant en deuxième année de fac, en fonction de ses revenus aussi, qui est la débourse, mais en général, il paye environ entre 300 et 400 euros l'inscription. Donc là, on passerait de 300-400 à 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 10000, 11000 euros. Ceux qui peuvent payer les grandes universités, qui peuvent payer les entrées les frais d'inscription en école de commerce à 10000 à 8000 euros l'année, ce ne sera pas la classe ouvrière, ce ne sera pas les gens qui habitent à la ZUP ni au Coteau.
Et donc là, si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui devaient être là en cours et qui ne sont pas là. Ben, c'est le problème qu'on a mieux, c'est-à-dire qu'on a... Est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés ou est-ce qu'ils n'ont pas envie... Ils ne se sentent pas concernés. C'est malheureusement ça. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'ils connaissent pourquoi on se bat, puisqu'ils sont à la fac tous les jours normalement, et qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qu'on fait. Alors heureusement, on a des professeurs qui se sentent concernés, on a un noyau d'étudiants, ça s'appelle le comité de lutte, on appelle ça comme ça, qui se sentent concernés. Mais il y a quand même 1000 étudiants à la FLSH de Mulhouse, et sur les 1000 étudiants, on tourne à une petite centaine. Eh bien, réveillez-vous, c'est ce que j'ai pu dire déjà en Assemblée Générale, je vais le répéter, l'université de demain, c'est pas le ministère qui le fait, l'université de demain, c'est vous les étudiants et c'est vous les professeurs qui le faites.